Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie, puis aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de lecture, je vais pas faire un bilan quelconque, ou je vais pas vous présenter une pâle ou quoi que ce soit. C'est plus discussion sur un re-questionnement que je me suis fait personnel, que j'ai fait récemment, puis que je suis toujours en train de faire. Puis je voulais vous en parler un peu parce que, ben ça, je voulais être honnête, je veux être ouverte. Puis honnêtement, j'aime vraiment ça, faire mes vidéos. Ça m'aide à comme m'ouvrir un peu. Puis c'est sûr que je vais pas parler de tous mes problèmes personnels parce que c'est pas ça le but de ma chaîne. Puis je me sens pas, non plus pas à l'aise de faire ça, mais je voulais quand même venir vous parler un peu, m'ouvrir un peu à vous, même si vous êtes pas beaucoup sur ma chaîne et que vous êtes pas nécessairement beaucoup à m'écouter, à écouter mes vidéos plutôt. Je voulais quand même m'ouvrir un peu, et c'est ça, puis vraiment, c'est ça. Parce que ça, ces derniers temps, je dirais surtout depuis comme plus ou moins une semaine, ça a pas été ma meilleure semaine, disons. Puis aussi depuis quelques mois, je remarque que j'ai plus de difficultés à lire. Ben pas que j'ai plus de difficultés, c'est juste que j'embarque moins facilement dans mes lectures, du moins qu'avant. Puis ça, déjà de base, j'ai moins de trucs à venir vous parler sur YouTube parce que, ben justement, vu que je lis moins, ben à un moment donné, le contenu que je peux faire est assez limité parce que, ben justement, le contenu premier que je fais sur ma chaîne, c'est sur les lectures. Puis honnêtement, genre, je me mettais un gros stress par rapport à ça. Parce que, ben, tôt au départ, du moins au tout début, je faisais des vidéos quand ça me tentait. Quand j'avais fini un livre, je faisais une vidéo chronique dessus, puis qui durait comme 3 minutes, top note, genre t'es maximum. Puis après ça, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus longues. J'ai pris un rythme un peu plus rapide dans les vidéos. Excusez, il y a une mouche. Puis ça, ben t'sais, j'essayais de mettre en ligne 2 vidéos par semaine. Pis là, c'est devenu de plus en plus difficile parce que j'essayais, ben justement, je m'étais mis un horaire. Je voulais mettre en ligne une vidéo le mercredi, une le samedi. Et là, de plus en plus, avec ma session, avec mes sessions, c'est assez difficile parce que, ben ça, je lisais moins. Trouver des idées aussi de vidéos, c'est pas toujours facile. Puis parfois, ben ça, je me forçais à essayer de trouver un sujet de vidéo. Je faisais un book tag, des trucs du genre. Tu sais, ça, j'ai fait plein de book tags pour un peu combler le vide, on va dire. Puis je me ramassais souvent à parler des mêmes livres dans mes book tags parce que justement, ben t'sais, je pouvais lire 2, 3, 4 livres en un mois. Fait que ça, j'avais pas vraiment de nouveaux livres à parler. Fait que c'est ça, j'aimerais ça. Ben c'est ça, j'ai une de mes remises en question, c'est par rapport à ça. Puis je pense recommencer à faire un peu comme dans mes débuts, ne pas avoir vraiment d'horaire. C'est sûr que je veux mettre en ligne mes vidéos autour de 9h le matin, comme je le fais déjà, mais je vais peut-être pas avoir de date précise. Et je vais peut-être le filmer une journée puis pour le mettre en ligne le lendemain, mais sans que ce soit nécessairement un mercredi ou un samedi. Je vais plus me mettre ce stress-là. Et ouais. Et il n'y a pas seulement par rapport aux horaires que je suis en train de me questionner, mais aussi sur les sujets de mes vidéos, sur
le thème principal de ma chaîne. Parce que comme vous savez probablement, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est probablement principalement pour échanger sur la lecture, tout ce monde-là de la lecture. Mais ben c'est ça. Comme j'en ai parlé un peu par rapport à l'horaire, ben il y a certains contenus que je me forçais à faire. Par exemple, les book tags, j'adore faire ça pour vrai, j'aime vraiment ça. Mais là, je me forçais vraiment à en faire pour justement boucher les trous, pour pouvoir publier une vidéo le mercredi et samedi. Puis ça devenait redondant parce que ben justement, je lis pas assez de livres pour comme faire changer ça assez, genre, t'y présenter des nouveaux livres régulièrement. Fait que là, ben, ça, je me suis. Ça fait un petit bout que je pensais m'ouvrir une chaîne YouTube sur le féminisme. Je m'étais même fait un compte YouTube pour cette chaîne-là. Mais j'ai peut-être. Ben, non, j'ai pas peut-être. Je vais la supprimer, puis je vais faire un mixte sur ma chaîne ici. J'ai continué à parler de lecture, ça c'est sûr. C'est sûr que j'enlève pas ça de ma chaîne parce que la lecture reste quand même centrale à ma vie. Mais j'aimerais, par exemple, ben justement le féminisme, j'aimerais vraiment ça en parler aussi. Il y a des vidéos, même si ça n'a pas rapport avec le féminisme ou avec la lecture, s'il y a des sujets de vidéos que je veux faire, je veux les faire, je veux me sentir à l'aise à les faire. Fait que justement, je vais utiliser ma chaîne ici pour ça. Puis, c'est ça, je vais ouvrir un peu ma chaîne à d'autres sujets. S'il y a des sujets, vous aussi, que vous voudrez que je fasse, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Mais ça, comme je disais, je veux varier un peu le contenu de ma chaîne. Puis, ben justement, un peu comme je disais, si jamais il y a des sujets quelconques que vous voudriez que je parle, tu sais, ça peut être littéralement n'importe quoi. J'ai rien qui me vient en tête, mais comme, même par rapport avec la lecture, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais peut-être prendre ce sujet-là puis en discuter avec vous dans une vidéo. Mais ça, tout ça pour essayer, tout en restant vrai à moi-même, avec des sujets qui m'intéressent tout de même, quand même un minimum, évidemment. Mais c'est ça. Mais c'est pas mal ça, la petite discussion que je voulais avoir aujourd'hui dans cette vidéo-ci. C'est pas très coordonnée. Je m'en excuse, mais ben non. En fait, je veux arrêter aussi de m'excuser pour n'importe quoi. En fait, je m'excuse pas si c'est un peu pas coordonné. Mais genre, j'aimerais ça vraiment faire. Ben ça aussi plus ce type-là de vidéo où ce que je m'assois, puis je planifie rien, puis je vais juste vous parler d'un sujet. Honnêtement, j'aime vraiment ça faire ce genre de contenu-là parce que ça me donne, ben, ça me permet de vraiment parler librement, puis sans rester dans un cadre strict. Fait que vous allez probablement voir plus de ce genre de vidéos-là. Puis c'est ça, c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!